première abeille. Avant-hier, c'était les bourdons. Correspondant espagnol d'Elsa. Au-delà de la langue, le plateau d'échecs. Terminer la partie par une main tendue. Quand manquent les mots, un tapotis au portable et la situation se débloque. Ces outils-là servent aussi à communiquer dans l'immédiate proximité. Reprendre la pédale de loupe. Jouer des nappes et des voix. C'est peut-être avec ça qu'il faudrait écrire, mêlé hors du linéaire. Écrire avec la voix, une et multiple. 24 mars, 18.